Ok, bonsoir, monsieur, bonsoir, mesdames. Ce soir, c'est un message, je vous véhicule un message très important. Ok, un message très important à tous les habitants de la Côte d'Ivoire et à tous les citoyens d'Afrique. Lamdao. Particulièrement aux jeunes Ivoiriens. Quand quelqu'un vous dit, si ça ne va pas, retourne à la terre. Ne t'a pas insulté. Tu as plutôt donné un conseil, te montrer un chemin dont tu n'as pas vu. Et si vous me suivez un peu, je veux tout simplement que la terre, quand moi je t'ai dit, si ça va pas à Abidjan, retourne à la terre, je ne t'ai pas insulté. Même quand ça va à Abidjan, aussi pense à la terre. Je ne vais pas te dire aujourd'hui de citer des noms des grands planteurs de ce pays, tu sais, comme moi. Mais moi, depuis un certain moment, malgré la ville, malgré les activités de la ville, j'ai décidé, chacun chez soi, hein. Je dis non, il y a ces gens qui ont des motifs, non, mais il y a voir tel là-haut, chacun chez soi. Il faut arriver chez toi quand tu vas demander, tu demandes, ils vont trouver que ton père ou ton grand-père était dans tel coin, ils vont te donner. Tu vas refuser de travailler, c'est tout. Oui, il faut être envie de travailler, mais ne pas oublier aussi les champs. C'est ce que je fais moi, le magnat. Donc cette vidéo, d'abord c'est pour dire à tous les jeunes Ivoiriens de se mettre au travail, que la terre ne trahit pas. Que le succès du pays repose sur l'agriculture, chose que tout le monde le sait déjà. Je ne vous apprends pas ça. Voilà. Bon, si bien dit, oui. Mais pourquoi? Bon, disons même, je ne sais pas, c'est des illettrés qui disent, c'est aux illettrés qu'on leur dit, retourne à la terre, qui les fait maçon, des intellos. Qui ont eu des BT en agriculture et autres. Aujourd'hui, ils cherchent des parcelles à diamant d'or. Maintenant, ils ont occupé des diamants d'or pour travailler. Travailler, les gens vont à l'école pour apprendre l'agriculture. Ok? Donc aujourd'hui, au moins, tu dis, avec l'agriculture, monsieur, tu deviens autonome. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que déjà, être ta petite parcelle, même disons un seul carré, un 600 mètres carrés de champ de cajou, monsieur. Chaque traite, tiens un peu. Oui, oui. Il te dit 600 mètres carrés. Tu vas peut-être, calculatoirement, tu vas te donner peut-être 10 pieds de cailloux. Qui, vraiment, à la traite, chaque année, tu ne vas pas compter sur quelqu'un. Et ça va te donner le courage d'avancer. Moi, je dis, quand je fais ces vidéos, ce n'est pas pour dire aux gens. C'est pas pour montrer aux gens que je fais. J'ai pas fait une petite parcelle, ça donne quoi? Il y a des gens aujourd'hui là qui ont des milliers de parcelles. C'est pas une tristesse. Mais moi, au moment où je n'ai pas fait, si ceux qui ont des milliers de parcelles faisaient ces vidéos, que moi je voyais vraiment ces vidéos à travers les pages, vraiment, j'allais faire pareil comme eux. Mais vu que moi je veux que mes jeunes frères fassent comme moi, on va les faire. Chacun chez son frère. Étranger, c'est pas un jus. Tu me suis, non? Si tu as besoin qu'un débris ou bien un attier te dit à quelqu'un, va chez toi, c'est pas un jus. Ça veut dire que tu as un chez toi. Simple. Ça veut dire tout simplement que toi là, tu as un chez toi. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo à l'air ainsi, avec le silence de la forêt sur les oiseaux, puisqu'il n'y a plus personne dans les plantations. Moi, j'étais juste allé voir si je pouvais trouver de la soupe. Mais rectificatif, pas avec les animaux protégés. Les animaux non protégés. Moi, une petite soupe. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Oui, j'ai dit ça n'a pas marché. Parce que j'ai retourné au bredouille. Je n'ai même pas vu pour dire que j'ai tiré pour rater. Et moi, si j'ai vu, que j'ai raté, j'ai dit, ah, j'ai manqué un gibier aujourd'hui. Je vous dis, pas de gibier protégé. Voilà, des espèces. Non protégé par l'état de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai quand même appris à connaître les espèces protégées par l'état de la Côte d'Ivoire. Ainsi que les ruissons, tortues de mer, ainsi de suite. Donc eux, vraiment, je vous exhorte aussi à ne pas toucher ces animaux. Voilà. Ok. Donc beaucoup de courage d'abord à toute la jeunesse ivoirienne. Beaucoup de courage. Et jouer au loto, oui. C'est espérer. C'est espoir de vivre. Mais réaliser, travailler,
ça fait vivre. Parce que là, il n'y a pas de si ça se gagne ou pas. Tu fais ta personne dans la case. Ou pas dans la case. Ou là où tu es, tu fais selon ce que on trouve chez toi là-bas. Tu fais selon ça, tu me suis? Voilà. Tu fais selon ça. Si c'est le café, c'est le cacao. Si tu fais ta culture tranquillement. Tu t'emmènes pas. Vous voyez? Le pèdre qui m'a quitté à bout portant. Un gros pèdre qui m'a quitté à bout portant. Bon, je vais vous laisser. Je coupe cette vidéo ici. Je viens de rater un gros gibier, messieurs.